Bob Dylan demande MK en mariage. Oh, colo, les aigris, vous êtes où? Venez parler encore, on comprend. MK Michel nous fait comprendre que non. Il a tout mal à fille la première fois. Il a abandonné. Il est parti. Il a fait un an sans jamais lui parler. Aujourd'hui, là, elle dit que c'est lui qui vient se mettre à genoux devant elle pour la demander en mariage. Je vais vous laisser écouter. Soyez patient. Maman, Steve Fa était de la partie, ne l'oublions pas. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Vous vous rappelez que la semaine dernière, Bob Dylan avait fait des achats de plus de 300 000 comme ça, en tout cas environ 300 000 à sa petite sœur. Donc c'était déjà les préparatifs du mariage comme ça. Maman, appréciez d'abord la demande en mariage. C'était sucré, salé, pimenté en même temps. Regardez la vidéo avec leur chanson à l'appui. C'est tellement beau, c'est tellement doux. Adama, oh, qui va donner pour nous deux gars comme ça là? Pouvoir t'entendre, trop l'air pour pouvoir comprendre. Tout ce que tu voulais était correspondant. Combien de fois t'as essayé de me retenir? J'ai refusé, tu as tout donné juste pour correspondant. Combien de fois t'as essayé de me retenir? J'ai refusé, tu as tout donné juste pour correspondant. Regardez comment ils sont beaux ensemble. L'amour sur nous maintenant. Est-ce qu'on va encore respirer ici là dehors? Hé, hey, Seigneur Jésus-Christ. Même MK Michel, elle est dépassée. Maman, écoutez son témoignage après la demande de fiançailles. Elle n'en revient toujours pas. Mais sincèrement, je vous jure que moi je crois pas. Je vous jure, les amis. Je ne peux pas attendre à tout sauf ça. Franchement, je vous jure que j'ai l'impression que ça tout régler. Voici alors la partie qui nous intéresse le plus, la partie dans laquelle elle raconte à ses invités sa rencontre avec Bob Dylan. Comment le gars là, tout manor, il a pris la tangente pendant un an. Mais comme on dit souvent, l'amour finit toujours par triompher. Les voilà aujourd'hui ensemble. Bob Dylan a mis les deux pieds par terre, demandé sa femme en fiançailles. Écoutez, c'est trop beau. Il y a cela 3 ans, il était chez Dylan et c'était pas bon. Oui. Pas mon goût, le jour-là, il m'a abandonné pendant un an. Maintenant, attends, et maintenant, Et là, il se met à genoux. Donc, yeah. Assez. Où? Le Thomas n'arrive pas encore. Il y a que MK qui veut faire, bah voilà, tape le costard. Oui. Mon fou. L'animal. 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 Mais, conclusion, les filles, si on vous mougou, on vous laisse. Soyez pour non, vous. Non, conclusion, c'est pas parce que tu as mougou un gars le premier jour que ça va pas aller quelque part. Il faut juste être sage. Mais moi, je t'ai pas dit ça. Pourquoi tu as les conseils? Oh, que c'est beau l'amour. Mes félicitations à Bob Dylan et à MK Michel. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Même si vous nous avez donné le travail pendant ces dernières semaines, Adama, on peut donner le travail aux gens comme ça là. Et dans tout ça là, Steve Fa fait partie de la cérémonie. Adama, on peut jouer avec les organes des enfants des gens comme ça là. On peut faire ça. Range Rover sur nous maintenant. Restons au Canada sur nous maintenant. Oukoulou. Et je mets ma main au feu, mes tauliers, que Steve Fa est en grande partie responsable de l'organisation de la cérémonie ici. Grâce à lui, c'est aussi grâce à lui, je vous dis, que la cérémonie ici a réussi comme ça. Oui. Ça, il faut aussi le dire. Steve Fa, vous savez qu'il a les longs bras. Vous savez qu'il a les relations. Il est capable de faire beaucoup de choses. Et voilà le résultat. C'est le monde beau. Wombo. Maman. On peut faire ça aux enfants des gens. On peut faire ça. Vous comprenez maintenant les choses. Quand la dernière fois, la Queen est sortie pour nous raconter comment c'est Bob Dylan qui partageait lui-même ses vidéos avec un autre blogueur pour qu'il publie sur les réseaux sociaux pour qu'on parle d'eux. Vous comprenez que c'était un buzz arrangé depuis le début. On a mis nos organes dedans. Mais cette fois-ci, là, non. Je ne pleure pas mes organes que j'ai mis dedans. Je ne pleure pas mon souffle parce que l'histoire se termine bien. Oui, c'est comme si on était au cinéma. Ça a commencé un jour, et c'est fini par les fiançailles. Le bonheur, c'est ça le plus important pour moi. Maman, qui va aussi donner pour nous le gars comme Bob Dylan? Qui va nous faire des demandes en mariage aussi spectaculaires, aussi somptueuses?
maman, on va trouver pour nous deux gars ou comme ça. Quand je demandais seulement l'autre jour à mon copain que ouais, chérie Coco, est-ce que tu vas me la penser à comment tu vas faire ta demande de fiançailles, maman? Parce que là où je suis là, j'aimerais que les choses se fassent bien, quoi. Le gars me raconte comment il est arrivé qu'on était au champ en train de cultiver les arachides. À la pause, on s'est arrêté, monté sur le goyavier en train de croquer un peu les goyaves là. C'est là que lui, il sort la bague pour me donner. Maman, j'ai éclaté. Hey! Et ça m'a dit que yay, si déjà dans tes rêves, ta demande en mariage est comme ça, maman, dans la réalité, ça sera comment? Ouais, Seigneur, nous sommes foutus. Oh. C'est comme si on est seulement venu pour observer les gens sur la terre ici, là. C'est comme si on est seulement venu pour voir comment les gens vivent leur amour, vivent leur réussite. Maman, les enfants de Dieu bénis. Maman, en tout cas, je réitère encore mes propos. Mes félicitations à Bob, mes félicitations à MK. J'espère que ça va durer. Ha! Maman, en tout cas, non, vous aimez. Si le gars t'a tout mal, il a fait un an, il t'a même pas géré, il t'a même pas calculé. Et aujourd'hui, il se met à genoux pour demander ta main. Maman, ça veut dire que non, quelque part, le destin vous unit. C'est ce que je disais dans mes vidéos précédentes. Que non, il faut vous séparer. Vous réfléchissez bien. Est-ce que, si à la fin du compte, le destin va décider de vous mettre ensemble, vous allez seulement vous mettre ensemble dans le futur. Et si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas vous mettre ensemble. Mais le destin a décidé qu'à l'heure, si là, entre Bob et MK, c'est ton pied, mon pied. Mais voilà aujourd'hui. On attend seulement dans la cérémonie du mariage. Oh! Je sens que ça va chauffer. Si déjà, les fiançailles, c'est comme ça. Imaginez un peu la cérémonie de mariage. Maman, Coco, Emilia, Vemba, Wombo, est-ce qu'on va arriver? Tout comme Étoulière, et tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, comme d'habitude, laissez vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de cette union de Bob et de MK? Vous êtes contents pour eux ou alors vous êtes les aigris? En tout cas, moi, je suis contente pour eux, bien contente même. Ils s'aiment, ils se méritent, ils sont beaux ensemble. Donc, pour moi, ça va. On est seulement là maintenant, non. On attend aussi nos retours. Si ça va arriver un jour. Si Dieu aussi va décider que pour nous va arriver. Oh. Si le destin va aussi décider qu'on rencontre pour nous le gars. Oh. Maman, c'est que ça va toujours arriver, non. On est là, on attend seulement sur place. Voilà mes Tolis. N'oubliez pas de liker les vidéos. Abonnez-vous à la page. Un maximum de partage, s'il vous plaît. C'était Tolis.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour un nouveau Tolis. Sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement. Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock. Africa Best Livestock App. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet Chirelet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. The second time and the second day, you with love and you don't believe. Everyone you see, you be a time. Say I'm sorry.